Landing Jemmé, né le 4 septembre 1981 à Pékin, est un artiste peintre autodidacte. Son nom d'artiste Atuka est une appellation Jola qui signifie créateur, surnom donné par sa mère. C'est avec un grand plaisir qu'on le reçoit au Carré des artistes. Bonjour Atuka. Bonjour Maïmouna. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci, le plaisir est partagé. Le talent est parfois inné chez beaucoup d'artistes. Dites-nous Atuka, est-ce le cas pour vous? Depuis quand avez-vous commencé à faire de la peinture? Oui, c'est le cas pour moi. Parfois le talent est inné. Comme je vous l'avais dit, être un artiste, parfois un artiste autodidacte, c'est un décret de Dieu. Donc c'est inné. Moi j'ai commencé à faire la peinture depuis 1994 au sein de l'atelier de mon mentor Khalifa Gueye. De 1994 à nos jours, j'ai passé depuis 1994, c'est Khalifa Gueye, jusqu'à nos jours. Mais j'ai commencé à dessiner à l'âge de 8 ans, quand j'avais 8 ans. Mais là où j'ai pris ma décision ferme, c'était en 1994 pour faire la peinture. Chaque toile est différente, elle est le fruit d'une inspiration. Quel message envoyez-vous à travers vos toiles? Oui, chaque toile est différente. Ça dépend des inspirations. Tu vois, la différence des toiles là, c'est les toiles de la peinture huile. Ça, c'est des toiles de la peinture acrylique. Mon concept de travail, c'est les populations flottantes. Les populations flottantes et les désordres publics. Voilà, c'est ce que je fais. Les artistes sont souvent très fusionnels avec leurs œuvres. L'art devient même une partie intégrante de leur vie. Quelle place occupe votre art dans votre vie? Ça occupe, je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est vraiment fort. C'est comme une femme qui est en grossesse et puis au-delà de 9 mois, elle fait naissance à son enfant. Donc ça, il y a un cordon ombilical. Donc la peinture et moi, il y a un cordon ombilical et puis c'est un arme de combat. Chaque artiste veut vivre de son art, en tout cas. Parlez-nous un peu du marché de la peinture au Sénégal et peut-être ailleurs, car vous avez exposé à Los Angeles et dans d'autres pays. Êtes-vous satisfait de la vente de vos tableaux? Oui, si c'est pour moi, je suis satisfait pour la vente de mes œuvres d'art. Mais pour le marché de l'art ici au Sénégal, c'est vraiment catastrophique. Donc il n'y a pas assez de galeries. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de collectionneurs d'art, il n'y a pas assez de promoteurs, de mécènes d'art surtout. Donc il faut qu'on puisse vraiment inonder le marché avec des acheteurs d'art, des galeries et tout, pour qu'on puisse accompagner les artistes. Mais si c'est un artiste, en tout cas seul, de gagner son pain dans ce qu'il fait, c'est... Donc le taux de la réussite des artistes au sein du Sénégal, c'est un peu faible par rapport aux États-Unis, par rapport aux Chine, par rapport en France, l'Espagne. Donc c'était ça. C'était pas vraiment aussi facile pour être un artiste ici au Sénégal pour vivre de son art. Mais on a eu la chance, comme vous venez de le dire, on a eu la chance d'exposer dans d'autres pays comme Los Angeles. C'était récent. Bon, ça, vraiment, c'était cool. En tout cas, peut-on vous définir comme un artiste engagé? Le thème des villes ou des populations flottantes est très intéressant. Est-ce une façon de dénoncer la pauvreté, la précarité des populations dans les banlieues? Ah oui. Qui dit en tout cas, forcément, si tu as effacement, tu demandes en tout cas, on te dit que c'est un artiste vraiment engagé. Parce qu'il y a la précarité qui fréquente au fin fond de la banlieue, comme Fasmbao, Kermassar, Tengueg, Tiaroy, tu prends Boun. Donc ça, il y a pas mal de populations flottantes qui existent là-bas, au fin fond de la banlieue. C'est-à-dire, dans ces populations flottantes, il y a eu la marginalisation de cette population, mais il y en a d'autres qui croient que leur lendemain sera meilleur, leur avenir est dans leurs mains. Mais il y en a d'autres qui sont abattus par cette pauvreté, préférant se loger dans la drogue, l'agression. Vraiment, mon combat, c'est surtout sur ce côté-là. Si je comprends bien, vous vous présentez comme porte-parole de cette population flottante. Je suis un porte-parole.
Je suis un... Je sais pas comment t'expliquer, mais je suis... Je suis un porteur de voix, en grosso modo. Ouais. L'émission Le Carré des artistes tire à sa fin. Merci à vous, Atouka. Merci, Mémouna. Nous vous signalons qu'Atouka présente une grande exposition de ses œuvres dans notre galerie d'art au Carré culturel. Là, je vous présente une de mes toiles qui a pour titre Crise de valeur. Donc, crise de valeur, tu vois, actuellement les valeurs sont commencées à être perdues. Ça nous parle de la résurrection. Donc, tu vois, les gens qui sont là par rapport avec la chaleur, là, il faut. C'est ce qui m'a poussé à peindre ça pour qu'on puisse essayer de penser au jour de la résurrection. Oui, ça c'est le regret. Le regret parce que parfois l'individu fait des trucs qu'il regrette intérieurement ou bien qu'il s'emprisonne lui-même. Ça c'est intitulé Beni Djemo. Beni Djemo c'est comme on le dit en Wolof, toi et moi. Beni Djemo c'est Adam et Ève. Ève, on l'a fait dégager ici, on l'a fait sortir ici. Donc si on le remet là où elle était, on voit toujours une. Bienvenue au Carré culturel. Culturel.